Ce soir, je vais m'entretenir avec vous sur 8 canaux du renouvellement de l'Alliance. Tu peux dire ça à ton voisin de gauche, 8 canaux du renouvellement de l'Alliance. Pour faire bref, 8 canaux de renouvellement. Alléluia. Le psaume 51, verset 10. Dans d'autres versions, c'est le psaume 51, verset 12. David dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Celui qui parle n'est pas n'importe qui. C'est un grand oint de Dieu, un grand serviteur de Dieu, mais qui est passé par une crise spirituelle. Un grand roi, un grand oint, un grand adorateur, un grand serviteur de Dieu, mais qui, pendant une période de sa vie, a connu une sécheresse spirituelle. Et il admet cela. Et il prie Dieu de renouveler en lui un cœur pur, un cœur disposé, le cœur qu'il avait, le cœur pur qu'il avait, le cœur disposé qu'il avait. Souvent, nous, serviteurs de Dieu, nous avons du mal à reconnaître qu'on a perdu quelque chose. Lorsque tu as servi Dieu à un certain niveau, c'est difficile de reconnaître que tu as perdu ton premier cœur pur, ton premier cœur disposé. Et sachez ceci. Tu ne perdras jamais un cœur pur, un cœur disposé, sans perdre certaines valeurs. La perte d'un bon cœur amène toujours la perte des bonnes valeurs. Et David, l'adorateur, s'est retrouvé dans le péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit disposé. L'esprit de l'homme est la base de l'adoration. L'esprit de l'homme est la base de sa spiritualité. Si ton esprit n'est plus disposé à aimer Dieu, à prier Dieu, tout s'arrête. C'est l'esprit qui est le moteur de la spiritualité. Ta tête peut vouloir suivre Dieu, ton corps peut vouloir suivre Dieu. Mais si ton esprit n'est plus disposé, tu peux te retrouver, tu es assis physiquement à l'église avec ton corps. Intellectuellement, tu dis Jésus est bon, mais dedans, tu ne ressens plus rien pour Dieu. Tu ne crois plus en lui. Tu ne désires plus le servir. Tu ne désires plus l'aimer. Et voici un premier canal qui mène au renouvellement, la prière. David a prié. Il a demandé un esprit disposé. Ne demandez pas à Dieu seulement des choses matérielles. Demandez aussi à Dieu des choses spirituelles. Un cœur pur. Un cœur disposé. Un cœur disposé à servir Dieu. Un cœur disposé à se sanctifier, à craindre Dieu, à évangéliser. Un cœur disposé à venir à l'église, à rendre service aux pauvres. Un cœur disposé, un cœur zélé pour Dieu. Il faut demander cela. Si tu sens que tu l'as perdu, prie ce soir. Dieu est là pour te donner un cœur disposé. Et tu vas l'aimer comme tu l'aimais avant. Tu vas le servir comme tu le servais avant.
Tu auras soif de lui, comme tu avais soif de lui. Ce cœur qui te réveillait le matin, que tu as perdu, tu vas le retrouver. Ce cœur qui te poussait vers les Écritures, tu vas le retrouver. Ce cœur qui ne pouvait te laisser passer un païen sans lui parler de Jésus, tu vas le retrouver. Ce cœur qui te rendait triste lorsque tu péchais, tu vas le retrouver. Ce cœur sensible, sensible aux douleurs des autres, aux problèmes des autres, aux faiblesses des autres, aux difficultés des autres, tu vas le retrouver. Mais tu dois prier. Et pour prier, il faut reconnaître qu'on n'a pas. Dieu n'exauce pas les orgueilleux qui mentent toujours à Dieu, qui vont bien. Je vais bien, je vais bien, je vais bien. Le roi s'est humilié. Le grand adorateur s'est humilié pour reconnaître qu'il n'avait plus un cœur pur, qu'il n'avait plus un cœur disposé. Lorsque les autres allaient en guerre, il ne voulait plus aller en guerre. Il ne se contentait plus de son épouse. Le cœur pur était parti. Le cœur disposé était parti. As-tu un cœur pur? La pureté du cœur se révèle par la pureté des pensées. L'homme qui a un cœur pur a des pensées pures. Si tes pensées sont impures, tu as un cœur impur. La pureté d'un cœur se révèle aussi par les paroles. Si tu as des paroles pures, cela révèle ton cœur pur. Mais si tout ce qui sort de ta bouche est impur, et ce qui sort de tes pensées est impur, tu as un cœur impur et tu n'as pas un cœur disposé. Les choses que tu fais pour Dieu, tu les fais pourquoi? Parce qu'on te pousse, tu n'as pas un cœur disposé. Parce qu'on t'oblige, tu n'as pas un cœur disposé. Tu jeûnes pourquoi? Parce qu'on te pousse, tu n'as pas un cœur disposé. Tu lis la Bible pourquoi? Tu viens à l'église pourquoi? Tu sers Dieu pourquoi? Un cœur disposé n'a besoin d'aucune contrainte. C'est un cœur qui aime Dieu. Et David avait reconnu qu'il ne l'avait plus. Et il s'est humilié. Je vous supplie, mes frères, humiliez-vous devant Dieu. Humiliez-vous. Jusqu'à quand vous allez faire le théâtre? Jusqu'à quand vous allez faire du théâtre spirituel devant Dieu? Ou vous allez jouer au fort, au bien portant? C'est dans cette situation que Jésus-Christ a trouvé le monde. Un monde en train de faire semblant. Il a trouvé des pharisiens malades spirituellement qui jouaient aux gens en bonne santé. Il a trouvé des sadducéens et des scribes qui étaient malades spirituellement. Mais quand Jésus, la lumière, est venue, ils ont fait semblant d'être dans la lumière. Quand Jésus, le médecin, est venu les guérir, ils ont fait semblant d'être en bonne santé. Et Jésus les a laissés dans leurs conditions. Sois humble ce soir. Dis à Dieu, renouvelle en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ésaïe 40, verset 29 à 31 dit, il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voici un deuxième canal du renouvellement spirituel. La foi, la confiance en Dieu. Les adolescents, ceux qui sont censés être forts, peuvent se fatiguer. Les jeunes hommes, qui est fort, peut chanceler. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, qu'ils soient jeunes ou vieux, renouvellent leur force, et ils reprennent le vol comme l'aigle, ils s'envolent, ils courent et ne se fatiguent point, ils marchent, ne se fatiguent point. Comment peux-tu atteindre le niveau où tu ne te fatigues pas de ta vie chrétienne?
Les années passent. 10 ans, 20 ans dans le Seigneur, tu as le même zèle. Tu deviens papa de 70 ans. Tu aimes Dieu de la même manière. 40 ans de ministère. Tu pries de la même manière. Tu te sanctifies de la même manière. Les vagues viennent. Tu restes constant. Tu ne te lasses pas. Tu ne te fatigues pas. Le secret, la confiance en Dieu, la foi, la grâce. Est-ce que tu crois que tu peux tenir jusqu'au bout? Un homme qui ne croit pas qu'il peut rester fort jusqu'au bout tombera. Moi, je crois que jusque dans ma vieillesse, je ne commettrai pas de scandale. J'ai cette foi-là. Autant j'ai la foi qu'un paralytique peut marcher, qu'un aveugle peut voir, j'ai aussi la foi que moi, jusqu'à la fin de ma vie, je ne ferai pas de scandale. J'ai la foi. Et cette foi me donne la force. Je ne doute pas quand je regarde mon futur. Ah, peut-être moi aussi, je serai un pasteur qui va faire un scandale. Un jour, je ferai un scandale, l'église va se diviser. Non, je n'ai pas ça. Dans ma tête, ça n'existe pas. J'ai la foi. Autant les gens ont la foi de la guérison, j'ai aussi la foi de la constance. La Bible dit que ceux qui renouvellent leur force, c'est ceux qui se confient en l'Éternel. Avez-vous la foi? Mon frère, tu sais pourquoi tu te fatigues dans la vie chrétienne? Tu as perdu la foi. Tu as perdu la confiance en Dieu. Quand tu vois le péché commence à t'entourer, tu commences à avoir peur comme Pierre. Moi aussi je vais tomber. Moi aussi je vais tomber. Regarde ce frère-là, il servait Dieu, il l'a abandonné. Regarde ce pasteur-là, il l'a abandonné. Regarde ce bon frère-là, il l'a abandonné. Si lui l'a abandonné, et donc moi aussi, tu as l'incrédulité. Tu tombes. Il est possible d'aimer Dieu tous les jours, de prier tous les jours sans se fatiguer, de lire la Bible tous les jours sans se fatiguer, de venir à tous les cultes de l'église sans jamais se lasser dans un seul culte. Il est possible tous les jours de ta vie d'aimer Dieu, d'aimer Dieu sans forcer, si seulement tu te confies en lui. Jésus-Christ a dit, vous êtes les sarments et je suis le cep. Sans moi, vous ne pouvez rien. Même pour continuer à aimer Jésus, tu dépends de Jésus. Il n'y a pas un amour pour Jésus qui ne vient pas de Jésus. C'est lui-même qui crée en toi le vouloir et le faire. C'est pourquoi tous les jours, tu dois dire, Jésus, aide-moi à t'aimer encore aujourd'hui. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour être saint. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour prier. J'ai confiance en toi aujourd'hui pour garder le cap. Sinon, tu vas te fatiguer. Tu vas abandonner. Tu auras une vie chrétienne 3 ans au début. C'est bon. Après, tu commences à chuter. Tu auras une vie chrétienne 10 ans. C'est bien. Après, tu commences à chuter. Parce que tu ne te confies pas en l'Éternel. Celui qui a commencé cette œuvre en toi l'amènera jusqu'à sa perfection. Si nous déjà des hommes, ce qu'on fait là, est-ce qu'on va le laisser comme ça? On va finir, n'est-ce pas? Si nous des humains, on finira ça, ce sera beau. Et toi le chanté de Dieu, Dieu va te laisser comme tu es. Il va finir, il finira. Je dis il finira. Même si tu as des défauts, bien-aimé, Dieu va enlever les défauts. Un jour, il n'y aura pas ça, n'est-ce pas? Tout le monde sait qu'un jour, il n'y aura pas ça, n'est-ce pas? Pourquoi? Vous êtes sûr des architectes, des ingénieurs, de votre pasteur, de ceux qu'il aime et de ceux qu'il n'aime pas? Je suis sûr aussi de ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas. Je suis sûr de l'architecte Dieu. Il ne va pas laisser ce péché dans ta vie. Il va t'en débarrasser. Il va t'en libérer totalement. Ce qu'il a commencé, il va l'achever. La foi. J'ai confiance en Dieu. Et quand je vois ma vieillesse, je ne vois pas un ex ou un. Je ne vois pas quelqu'un qui entre dans l'histoire de l'église de réveil comme des gens que Dieu sait utiliser, que Dieu... Non, je vois un vieillard qui est à la page dans l'onction et dans la parole. C'est ce que moi je vois. Et ce que je vois,
c'est ce que je serai. Ce que tu vois, c'est ce que tu seras. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Dis avec moi, Nakopingwara, jamais. Makamona bandiango tina suka. Même les païens commencent à dire ça, tu vas les finir. Même les païens. Bien-aimé, Dieu va le finir. Je ne crois pas ces choses-là. Non, quand tu pries Dieu, tu es pauvre. Quand tu deviens riche, tu abandonnes Dieu. De sorte maintenant dans les églises, nous dégageons l'incrédulité. Quand quelqu'un commence à être riche et élevé, nous tous commençons à attendre qu'il abandonne Dieu. Comme nous le croyons, c'est pourquoi les gens abandonnent Dieu. Je crois. Moi d'ailleurs, je crois que la richesse aide à craindre Dieu. Vraiment, moi, la richesse, quand j'entends que non, parce que maintenant il est riche, il a tout, il abandonne Dieu. Non. Un, l'homme a été créé dans le paradis. Deux, la Shekinah reposait sur l'arche. L'arche était en or. Je n'ai plus de besoin de chercher la nourriture et tout, mais je passe mon temps dans ma chambre. Comment avoir l'argent peut me séparer de Dieu? Au contraire, ça me débarrasse des distractions pour que je passe toute une journée dans la chambre. Tout ce que je veux, je téléphone, on m'amène. Je vais porter ça, je porte. J'ai plus de soucis. Maintenant, ici au Congo, si quand tu as tout, c'est quand tu abandonnes tout. Vous croyez ça? Si c'est ce que tu crois, ça va t'arriver. Et arrêtez de faire de telles prières pour moi. Amen, hein? C'est de l'incrédulité. Oh Dieu, tu es en train d'élever notre pasteur. C'est quoi Bungate? Est-ce que vous pouvez changer de prière? Ou maintenant vous commencez à avoir peur? Peut-être. Non! C'est ce qui tue tous les hommes de Dieu du Congo. L'Église libère une foi négative. Et comme l'Église ne croit pas que leur leader peut tenir dans la gloire et la richesse, ils tombent. Pourquoi? Nous sommes le produit de vos prières et de votre foi. Dites, je ne tomberai jamais. Je ne dévierai jamais. C'est pourquoi arrêtez de rechercher l'orgueil en moi qu'il n'y a pas. Dans la grandeur, Dieu peut commencer à faire des choses. Mais si vous commencez à chercher tout le temps l'orgueil dans ce qui n'est pas l'orgueil, au lieu d'être concentré dans la croissance de l'onction, vous commencez à vous concentrer sur de tout petits détails qui n'ont pas de sens. Celui qui se confie en Dieu ne chancelle pas, il n'abandonne pas, il ne se fatigue pas. Tu n'abandonneras pas, tu ne te fatigueras pas. J'ai confiance et tu n'abandonneras pas. Si tu es en train de te préparer à abandonner Dieu, tu abandonneras. Que l'option abandon soit enlevée de ta vie. Mais tous les jours, confie-toi en Dieu. Dis, Seigneur, ce matin encore, aide-moi à ne pas t'abandonner. Tu ne l'abandonneras pas. Tu voleras comme un aigle. 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 Et si tu es fatigué de voler et tu reviens sur terre, tu te fortifies, tu cours encore et puis tu voles encore et tu voles encore. Et ça fait quoi? Les nouveaux convertis te trouvent dans Dieu, mais te trouvent dans les ailes comme si tu es nouveau converti. Il est nouveau converti, mais tu es zélé comme un nouveau converti. Et il te pose la question, ça fait combien d'années? 50 ans de vie chrétienne. Donne-moi l'amen. Il y a un homme de Dieu que j'aimais beaucoup. On lui pose la question, tu fais comment? Des générations d'hommes de Dieu viennent. Toi, ton ministère tient toujours. Et dis-moi, j'entre dans toutes les nouvelles vagues. Quand une nouvelle vague de Dieu vient, je ne la combats pas, j'entre dedans. Une nouvelle vague entre, j'entre dedans. Et cet homme, avant sa mort, a fait l'un des plus grands services qu'il n'a jamais fait. Je crois qu'il avait 90 ans. Une onction extraordinaire. Si seulement il te regarde comme ça, tu tombes. Il te regarde comme ça, tu commences à rire. Mais lui-même aussi, il veut tomber. On le tenait, le vieillard. Mais le vieillard, là, ici, il te regarde seulement. Donc, il est mort loin. Jusqu'au bout.
Tu sens seulement que le corps a vieilli, mais l'esprit est resté jeune. Est-ce que vous croyez ça? Tu te vois marié avec des enfants et tu es dans la sainteté? Tu te vois millionnaire et tu es dans la sainteté? Tu te vois garer une voiture d'or là, des millions de dollars, tu es dans la sainteté? C'est ce que moi je crois. Je crois. On devient 100 000 membres, mais ça ne me fait rien. Je prie comme d'habitude, je jeûne comme d'habitude, je prêche comme d'habitude, que devenir le pape de l'église. Si c'est ce que vous attendez, ça n'arrivera jamais. Ce n'est pas ça ma foi. Si nous voyons tous dans la même direction, nous vivrons tous les mêmes choses. Celui qui se confie en Dieu ne se fatigue pas. Son corps peut se fatiguer, son esprit est intact. Il est comme Caleb, âgé de 80 ans. Il réclame son héritage et Dieu lui donne. Il réclame une montagne et Dieu lui donne. Vous qui avez fait beaucoup d'années dans la vie chrétienne, faites attention. Faites attention que les années passées en Christ aient effrité votre esprit. Restez des jeunes, zélés comme un nouveau converti. Un nouveau converti prie, il prie plus que toi, ça doit t'énerver. Il donne plus que toi, ça t'énerve. Il aime Dieu plus que toi, ça t'énerve. Il aime ton pasteur plus que toi, ça t'énerve. C'est ce qui va te garder jeune. Mais si tu comprends, hein, ce sont des nouveaux, hein. Nous on est des gens, des anciens, tu mourras. Même celui qui ne se fatigue pas se fatigue. Mais celui qui se confie en Dieu, s'il doit se fatiguer, ne se fatiguera pas. Parce que la force n'est pas dans la jeunesse, la force est dans la confiance. Lamentations 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Qui le croit? Qui croit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Dieu ne se fatigue pas de faire des bonnes choses. Dieu ne se fatigue pas de guérir. Il ne se fatigue pas de délivrer. Il ne se fatigue pas de délivrer. De bénir, il va bénir encore aujourd'hui, il va délivrer encore aujourd'hui, il va guérir encore aujourd'hui, il va oindre encore aujourd'hui, il va opérer des miracles encore aujourd'hui, il va libérer sa puissance encore aujourd'hui. Pourquoi? Ses bontés ne sont pas épuisées. Et voici la révélation. Elle se renouvelle chaque soir, chaque nuit, chaque matin. Rien dans la Bible ne s'écrit au hasard. Voici le troisième canal du renouvellement, le matin. Frères, tout homme spirituel a reçu la révélation du matin. Je te dis, tu ne peux pas être un homme spirituel. Dieu ne t'a pas enseigné les secrets du matin. Celui qui habite une boulangerie et qui connaît le programme du boulanger, que c'est à 5 heures du matin que le pain chaud sort, il vient à 12 heures. Il vient à quelle heure? Pourquoi? Il connaît le programme du boulanger. Si tu vas avoir le meilleur pain, c'est à quelle heure? Mais ceux qui ne connaissent pas, ils mangent le pain du soir. Mais ceux qui connaissent, ils mangent le pain du... Dieu maintenant renouvelle sa bonté le soir, la nuit. À quelle heure? Et toi, tu vas la chercher à quelle heure? Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Écoutez ceci. Les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Mais la Bible nous donne la révélation de quand est-ce que Dieu les renouvelle. C'est le matin. Donc si tu vas avoir une bonté fraîche, c'est à quelle heure que tu dois la chercher? Le soir? À midi? Tous les hommes qui ont vécu des réveils personnels, Dieu les réveille le matin. Tous les gens disciplinés se réveillent le matin. Sur 100 grands hommes sur la terre, 100 prophéties, 80
se réveille le matin. Les embouteillages, à 5 heures, il y a des embouteillages. À 4 heures, il y a des embouteillages. Les embouteillages commencent quand? Quand les retardataires se réveillent, même dans les domaines spirituels. Vérifie. Quand tu pries très tôt matin, tu sens quoi? Le ciel est dégagé. Hein? Quand tu pries vers 16 heures, tes travailleurs font du bruit à côté de ton bureau, ta femme envoie les enfants crient, mais le matin, il n'y a pas de travailleurs, il n'y a personne. Je suis moi-même avec vous. Je vous supplie, n'écoutez pas seulement ce que je dis. Faites-le. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, je t'ai réveillé à 3 heures du matin. Je prends ma chaise, je la mets sur mon balcon. Je prends ma Bible audio. Je mets des écouteurs. J'écoute. J'ai écouté tout Éphésiens, du début jusqu'à la fin, en train de prier. Et chez moi, dans mon balcon, il y a un perroquet et il y a des oiseaux. Et le vent passe. Et quand tu pries, plus tu t'avances, tu vois Dieu en train d'allumer sa lumière progressivement. Tu avais commencé dans le noir et vers 7 heures, c'est le jour. Et des fois, tu vas un peu somnoler. L'oiseau fait couing, couing, couing. Hey, ça te réveille. Tu adores avec les oiseaux, avec le vent sur ton corps, la lumière qui se réveille aussi pour adorer Dieu. Et pendant que toi tu fais ça, certains dorment, 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 dorment. Vous aurez la même vie, le même niveau, la même onction. Pendant que toi tu es en train de demander à Dieu l'onction à 12 heures, moi je l'avais déjà eu. Pendant que tu es en train de chercher des révélations de la Bible, j'avais déjà eu. Alors toi, à 12 heures, pendant que tu cherches la révélation, moi, j'ai déjà commencé à appliquer la révélation. On aura la même vitesse. Jésus priait quand? Le matin. Il se réveillait avant que le soleil se lève. Jésus, ton Seigneur. Le grand Daniel, ministre qu'il était, priait le matin, à midi et le soir. Mais surtout, ne négligez jamais la prière du matin. C'est quand le pain est frais, les bontés sont fraîches, les compassions sont fraîches. Alors si tu veux arriver à te réveiller le matin, apprends à dormir à temps. Dans mon téléphone, il y a au moins 15 alarmes. 15 alarmes. Des alarmes pour dormir, des alarmes pour me réveiller, des alarmes pour quitter la maison. Des alarmes pour suivre quelque chose. Des alarmes pour suivre une émission importante. Des alarmes de... Pourquoi? Pour ne jamais être en retard. Les hommes en retard souffrent d'embouteillage. Vous savez qu'il y a des gens sur, ici à Kinshasa qui n'ont jamais connu d'embouteillage. Ceux qui se réveillent à 3 heures du matin, ils démarrent la voiture. Tu vivrais un embouteillage? Est-ce que les voitures ont disparu? Vous qui aimez le sommeil, vous n'aimez pas vos vies. Vous qui aimez le sommeil, vous n'aimez pas vos vies. Vous qui aimez dormir, vous n'aimez pas vos vies. Je vais te donner un secret. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. Sachez ceci. Qu'on ne se repose pas en dormant beaucoup. Car des fois, beaucoup dormir fatigue. On se repose en dormant le temps qu'il faut pour ton corps et chacun son corps. Certains corps ont besoin que de 4 heures de sommeil, d'autres 6 heures de sommeil. Maintenant, toi, tu fais 10 heures parce que l'autre fait 10 heures. Toi, tu es toi, lui, il est lui. Certaines personnes, voici comment elles fonctionnent. Voici moi, comment je fonctionne. Je n'ai pas besoin de dormir beaucoup la nuit. Mais je peux dormir 4 heures du temps ou 3 heures du temps. Mais dans la journée,
j'ai besoin de dormir encore 2 heures du temps. Ça me suffit, je suis bien. Je ne vais pas faire comme toi. Parce que si moi j'ai pris, je dors 10 heures. Donc je vais être comme ça. C'est quand je ne dors pas beaucoup que je sens la fraîcheur. Et j'ai besoin dans la journée de dormir encore 2 heures du temps ou 1 heure profondément. La vie chrétienne, c'est une relation avec une personne qui doit t'enseigner même comment ton corps fonctionne. Certains même, vous allez dormir, mais vous n'avez pas sommeil. Tu forces le sommeil jusqu'à ce que tu aies des maux de tête. C'est le signe que toi, tu es parmi ces gens-là appelés à prier la nuit. Et toi, c'est le matin que tu dormiras. Chacun est unique. Je vous dis, chacun est unique. Mais sur le 3/4 de personnes que Dieu veut renouveler, ce sont des invitations du matin. Et qu'est-ce que tu vas remarquer? Lorsque tu as grandi, même si tu as mis ton alarme à 3 heures du matin, tu te réveilles à 2h59. 2h59, ton esprit est debout. Pourquoi? Il veut parler au Père. Et tu fais ça 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Frère, quand tu fais ça le matin, le monde n'a pas tout 10 000. Pourquoi? J'ai le pain chaud. Est-ce que la mouche vient sur le pain chaud? Est-ce qu'un démon peut venir sur une compassion qui est fraîche? Quand Dieu la renouvelle, moi je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle, je la prends. Il la renouvelle. Chaque jour, je la prends. Je la prends. Je la prends. Faisant même que quand même je me retrouve dans un avion, je respecte mes temps de prière. Un jour, quelqu'un a voyagé ensemble. M'a dit, remarquez, vous êtes bizarre, t'es un avion. Soyez des hommes spirituels. Dis à ton voisin, sois un homme spirituel. Ne vis pas comme un coq, un cochon. Amen. Tu sais, je vous dis la vérité. Quand vous n'êtes pas spirituel, tu n'es pas différent de ton chien, ni de ton coq, de ta poule. La poule est sans spiritualité. Le coq est sans spirituel. Au moins lui, le matin, dit cocorico. Tu pries. Même les occultistes ne font pas ça. Vous savez ça? Un occultiste de haut niveau, il est discipliné. Discipliné à un niveau. Pas possible. Mais des chrétiens qui sont les disciples de Jésus, le discipliné. Aucune discipline dans la prière, dans la méditation de la parole. Tu viens de finir de lire quelle parole ces derniers temps? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher dans les Écritures? Le secret du matin. Dites matin. Aujourd'hui, Dieu va te libérer de cet esprit qui te retient sur ton lit. Oui, ce démon-là existe. Il existe. Il y a un démon. Lui ne fait qu'une chose. Garder les gens sur les lits. Même si tu... Boum! Il te garde. Même si tu as mis l'alarme, il te garde. Il te colle au lit. Il fait de ton lit ta prison. Oui, il y a des esprits qui ne travaillent qu'à garder les gens sur le lit. Des esprits réels, des démons, ils travaillent qu'à garder les gens sur le lit. Il va partir ce soir. Car lorsque dans une église, tu deviens le pasteur des gens qui se réveillent le matin. Tu verras comment l'église va prendre la vitesse. Parce que tout le monde a le pain chaud. Et tout le monde est en bonne santé.
Vous comprenez ça? Chaque main. Alors quand toi tu te réveilles à 12 heures, tu te dis que déjà l'ipaya la moto. Yangona au kabilondam. On a lié déjà tout. Oui, là je suis seulement en train de ruminer ce que j'ai mangé. C'est pourquoi 2 Corinthiens 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Voici encore un autre secret du renouvellement. Ne faites pas ces choses où tu es très spirituel mercredi, jeudi, tu es bas, vendredi très spirituel, samedi tu es bas, dimanche tu es bas. Paul dit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. Tous les jours. Il n'y a pas un jour de consécration. Amen. Hein? Ça n'existe pas. Bibliquement, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a pas un jour où tu dis, je ne vais pas respirer. Aujourd'hui, vraiment, ma ramaropema, n'a pas mis si à mon anou, non vivre sans couper ma lélo. Tous les jours de ta vie. C'est nous qui avons dit dimanche, c'est le jour vraiment du Seigneur, bien-aimé. Tous les jours sont au Seigneur. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas le jour du Seigneur. Vous savez ça? C'est dans l'Ancien Testament qu'est le jour du Seigneur. Dans la nouvelle alliance, tous les jours sont au Seigneur. Quand tu as l'esprit du jour du Seigneur, tu as l'esprit de la loi. Dans la nouvelle alliance, tous les jours sont à Dieu. C'est pourquoi Jésus ne respectait pas les sabbats. Pourquoi? Parce que tous les jours étaient à Dieu. N'ayez pas des jours. Le jour, pensez au banc à Zam. Si tu as le jour pour craindre Dieu, tu auras le jour pour pécher. Ça c'est mon jour où je monte. Si tu as le jour où tu montes, tu auras aussi le jour où tu descends. Tu es un avion mais qui n'a pas d'aéroport. Donc mata pas qui t'a raté. Ravitaillement kalikolo. Oh, donne-moi la main. Quand il y a des guerres et que l'avion du président des États-Unis est en l'air, il ne descend pas. Vous savez quoi? Il y a d'autres avions qui montent pour le ravitailler en l'air. Vous connaissez ça? Et toi, tu es plus que l'avion du président. Tu ne peux pas descendre. Parce que dans la vallée, il y a des démons qui t'attendent, le monde qui t'attend. Tu montes, tu ne descends plus. Tu montes, tu ne descends plus. Tu montes, tu ne descends plus. N'ayez pas de consécration des séminaires. Des consécrations des retraites, des consécrations des conventions. Quand il y a une convention, là maintenant tu te réveilles, 30 matins, alpha 30, alpha 21. Non! Il n'y a pas un jour pour aimer Dieu. On aime Dieu tous les jours. Il se renouvelle de jour en jour. Et écoutez encore ce que Paul dit. Lorsque l'homme intérieur, extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il parlait du jeûne. Si tu veux te renouveler, sois un homme de jeûne. Comme je l'ai enseigné, un homme spirituel doit avoir au moins une fois par semaine un jour où il jeûne. Pour que son corps soit discipliné et pour se concentrer que sur la partie spirituelle de sa vie. Comment ? Le matin, tu te réveilles, tu te prends ton déjeuner. À midi, tu prends ton dîner. Le soir, tu prends ton souper. À la fois, tu t'occupes, c'est vrai, de ton esprit, mais tu es aussi occupé trop à ton corps. Mais quand tu jeûnes, tu oublies les besoins du corps. Alléluia. Et là, tu n'es concentré que sur ta partie spirituelle, qui est la plus importante. Et quand maintenant ton corps, par la fatigue, par la faim, s'affaiblit, ton homme intérieur se renouvelle. Qui se sent bien d'avoir jeûné aujourd'hui? Tu te sens bien, n'est-ce pas? Et tu te dis, fallait que je le fasse tous les jours, n'est-ce pas? Même si tu voyageras et qu'un jour tu ne seras pas la compassion, fais du mercredi le jour de ton jeûne. Amen. Et tu vas te rendre compte que le matin, quand tu te réveilles et tu décides de jeûner, tu as des maux de tête. Tu ne te sens pas bien, comme si tu vas mourir. Est-ce que tu es mort? C'est la résistance de la chair. La chair s'oppose. Parce que la chair, c'est la femme du diable. Apprenez à crucifier vos chairs. Tu dis, aujourd'hui tu ne manges pas. Aujourd'hui tu ne vas pas boire.
Alléluia. C'est l'esprit qui est le chef à bord. Et si tu maintiens une vie régulière de jeûne, tu te renouvelleras. Tu te sentiras bien. Parce que vous savez, même avec les nourritures que nous mangeons, il y a des nourritures qui distraient l'esprit. Il y a des nourritures remplies de microbes. Tu manges une nourriture remplie de microbes. Ton esprit doit aussi te garder en bonne santé, n'est-ce pas? Maintenant, il doit travailler maintenant à te protéger des microbes. Tu lui donnes du boulot. Maintenant, quand tu ne manges pas des choses avec des microbes, ton esprit ne se concentre qu'à te concentrer sur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi tu sens ceci. Quand tu jeûnes, plus tu as un estomac vide, plus tu as un esprit plein. Tu sens ça des fois? Des fois, mettez vos foufous de côté. Et surtout un jeûne où tu jeûnes du matin et à 19h30 tu manges. C'est pas grave, parce qu'il y a des frères ici. Bah ça là, on a famille, là-bas, on me cognos. Vrai ou faux? Vous voulez Aragon? Ah oui, il fut un temps dans notre famille, vraiment, on mangeait qu'une seule fois. Mon père avait perdu le travail, ça n'allait pas. On mangeait qu'une fois, le soir. On était en jeûne éternel. Et bataille, mais bien, bataille. Si tu vois mes photos là, taille. Mais j'étudiais, j'allais à l'église, je revenais. C'est des fois psychologique, tu vois. J'ai pas pris mon déjeuner. J'ai pas. Mais un homme peut vivre sans manger pendant 7 jours. Pendant 7 jours, tu bois de l'eau. Tu ne vas pas mourir. Et rien qu'un jour. Le soir d'ailleurs, quand on va te dire mange, tu voudras beaucoup manger. Mais tu manges un peu, tu es rassasié. Alors tu te dis, Nando Koutouko Mibomela, Nini. Alléluia. Certains disent que Jésus, après son jeûne de 40 jours, n'a plus jeûné. Ce n'est pas vrai. Le jour où il se promenait avec ses disciples, et on lui a apporté la nourriture, il a dit quoi? Il a dit, je suis en train de manger notre nourriture, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il jeûnait même après le jeûne de 40 jours. Lorsque Paul parlait de ses jeûnes, il disait, des jeûnes multipliés. Il ne pouvait pas compter combien de fois il jeûnait. Si tu vis que manger, je t'assure, tu auras un problème de renouvellement spirituel. Prenez des temps où vous entrez dans des retraites. Amen. Hein? Pas seulement le jeûne de l'église. Tu disparais. Tu vas dans une chambre quelque part. Tu t'enfermes 3 jours. Moi, parmi les gens qui m'ont poussé à faire maintenant des jeûnes de 40 jours, 30 jours, ce sont nos aînés de la foi. Il y a un. Il s'enfermait pendant 21 jours avec une bouteille d'eau. Il sortait mince comme tout, mais avec des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, si il y a l'explosion dans la ville, des églises partout, il y a des gens qui ont payé le prix devant Dieu. C'est pourquoi, malgré les erreurs de nos aînés, il ne faut pas beaucoup parler. Amen. Hein? Tu n'étais pas là quand ils mettaient la fondation. Histoire église. Amen. Hein? Donc, il y a un problème, mais il y a un problème. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Amen. Hein? Oui, c'est ça, des fois, des jeunes. Tu viens à peine de te convertir, tu commences à dire des choses sur des gens. Aujourd'hui, les églises sont comme elles sont, comme ça. Ah non, pour que ce soit comme ça, il y a eu des hommes de Dieu qui ont fait des prières terribles, qui ont donné leur jeunesse à Dieu, qui ont commencé le ministère à 18 ans, 19 ans. Rejetés de tous. Mais ils ont été attaqués par l'ennemi. Aujourd'hui, on n'entend plus trop parler d'eux. Et gardons le respect. Amen. Hein? Gardons le respect. Donc, bien-aimés, renouvelez-vous quotidiennement. N'ayez pas des jours. Soyez des gens consacrés en permanence. Mais dans le domaine du jeûne, ayez au moins un jour par semaine. Et si tu trouves que ça ne suffit pas, les pharisiens jeûnaient au moins deux fois. Les pharisiens. Au moins 2 fois, tu peux dire mercredi et vendredi, et c'est bien. Et ça te fera même du bien dans le domaine de la santé. Amen. Car lorsque tu jeûnes, tu reposes tes reins, tu reposes ton estomac, ton appareil digestif. Une autre chose. Colossiens 3, verset 10.
ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Voici une autre chose qui amène le renouvellement, la connaissance. Tu vois la Bible là quand tu la lis. Un jour tu lis. Tu comprends autrement. Cette connaissance te renouvelle. C'est pourquoi mes frères, lisez la Bible. Mais avant de lire la Bible, prenez la torche du Saint-Esprit. Car si tu ne prends pas la torche, tu ne vas rien voir. C'est pourquoi on mangeait les pains de proposition devant les chandeliers. Car si tu ne manges pas devant les chandeliers, tu risques de mal manger. Les pains de proposition dans le lieu saint étaient éclairés par le chandelier. Il fallait manger avec la révélation. Il faut le chandelier pour bien manger le pain. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Tu vois ce que je viens de te dire seulement? Que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Oh! Tu viens de comprendre autrement, n'est-ce pas? Ça te renouvelle. Mais imagine maintenant que tous les jours que tu lis la Bible, tu comprends des choses. Tous les jours, tu changes. Tous les jours, tu changes. Tu as des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. N'est-ce pas que tu peux acheter un téléphone? Mais si tu ne le mets pas à jour, même s'il s'appelle Samsung SSI, je ne sais pas, il n'est plus Samsung SSI, n'est-ce pas? Parce que tu n'as pas les nouveaux téléchargements des nouveaux logiciels. Lisez la Bible, bien-aimé. Chapitre après chapitre, livre après livre. Comme je vous ai dit, je viens de finir Hébreux. Et aujourd'hui, j'ai fini Éphésiens. Maintenant, je dois entrer dans Philippiens. Si j'ai fini, je dois finir un autre livre jusqu'à ce que Jésus reviendra. Et un autre livre, un livre, un livre. À part ça, je lis des livres d'autres auteurs qui m'édifient. Tu finis de lire la Bible, tu lis un livre d'un homme de Dieu, tu lis un autre, un autre, un autre. Tu es en train de lire, de lire, de lire, de lire. Et tu es en train de changer, de changer, de changer, de changer, de changer, de changer. Les autres se fatiguent, toi tu ne te fatigues pas. Les autres se baillent, mais toi pourquoi? La connaissance. La connaissance, la connaissance te transforme, te renouvelle. Je ne sais pas, bien-aimé, pendant que nous sommes là, ta journée est normale. Je viens seulement à l'oreille comme ça, je dis, frère, tu sais quoi? Ma Jeep, je te l'ai donnée. Et Saloni, hein? Connaissance en a. Et tu en dis, maman, journée est beau. Et bongi, ce que Bella qui a dit, c'est que c'est pour ça qu'il était si là, n'est-ce pas? Mais il y a maintenant des révélations qui dépassent ce que j'ai dit aux frères. Où tu lis la Bible, tu disais que je suis maudit. Tu lis et tu comprends et tu vois. Oh, mais non, mais moi je ne suis pas maudit. Oh, mais au fait, c'est moi que Dieu a choisi pour bouleverser ce pays. Oh! Mais il s'agit de moi dans cette écriture. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, mais Dieu me parle. Oh, 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 n'est-ce pas? Et si tous les jours, 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 tu auras toujours la joie, la paix, tout le temps tu es neuf. Pourquoi? Renouvellement par la connaissance des Écritures. Ne lisez pas la Bible. Plutôt, ne priez pas seulement sans lire la Bible. Vous raterez des choses. Il y a des choses que seule la Bible te donnera, que la prière ne te donnera jamais. Sinon, Jésus allait seulement dire prier. On dit aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le. Jour et nuit. Méditez la Bible. Et quand tu écoutes ton pasteur, n'écoute pas pour corriger, n'écoute pas pour lui donner des points, écoute pour entendre Dieu en lui. Les problèmes des fidèles, vous venez maintenant dire, ah, les leus et ma casse, les et ma casse, attends, ça ma casse, ça ma casse, et ça y'a. Et ça y'a l'autre, au long de la qui passe, t'es le besoin de la. Vous voyez le problème? Vous venez pour dire, ah, c'est ma casse, c'est ma casse. Vendredi, je suis en terre, ce dimanche, je suis en terre, je suis en terre, je suis en terre. Donc, ce que ça est fort, je suis en terre, je comprends. Pour écouter, je suis en terre.
Ne perdez pas votre temps à venir écouter pour juger un prédicateur. Parle-moi au travers de cet homme. Dis-moi quelque chose. Seigneur, tu pries dans ta chambre et Dieu te parle. Tu dis, est-ce que c'est toi? Seigneur, je vais à l'église. Quand le pasteur va prêcher, je veux qu'une parole sorte de ta bouche, qui va me confirmer que tu m'as parlé. Venez comme ça à l'église. Et quand le culte prend fin, ne dites pas, le pasteur a bien prêché. Dites, Dieu m'a parlé. Quand tu dis, le pasteur a bien prêché, c'est un homme qui parle aux hommes. Mais quand tu dis, Dieu m'a parlé, tu prends des décisions. Dieu m'a parlé. Il t'a dit quoi? Tu dois commencer à prier le matin. C'est ce que Dieu t'a dit. Ce n'est pas le pasteur qui a dit, c'est Dieu qui t'a dit. C'est comme ça que les Nigériens avancent. Et ils ne disent pas, le pasteur a dit. Ils disent, Dieu a parlé. Dieu a parlé. J'aime un homme de Dieu. Un jour, il voit une vision. Je marche et puis il me suit. Et puis il vient me voir et dit, Marcelo, j'ai vu, tu marchais et puis je te suivais. Je dis, ah, ok. Et alors? Il dit, j'ai vu ça. Je dis, tu sais, moi, si je vois une vision que tu as vue là, je l'accomplis telle qu'elle est. C'est-à-dire comment? Mais je suis cet homme-là. Il est parti. Il est revenu. Là, Dieu m'a dit, désormais, je ne prends plus aucune décision importante dans mon ministère sans que tu me parles. Je dis, ok, tu es prêt? Que je te dise tout maintenant. Na zoki ça y est. La bémo ni boué, ils allaient hâter. Na panzaïe. Et je l'ai vu faire tout ce que je lui ai dit. Aujourd'hui, c'est parmi les grands hommes de Dieu de ce pays. Et malgré ce qu'il est devenu, s'il veut faire quelque chose, il me téléphone. Je veux faire ceci, qu'est-ce que tu trouves? Non, ne fais pas. Il a vu, mais il n'a pas dit, j'ai vu. Il a dit, Dieu m'a dit. Lorsque Dieu dit à Joseph de prendre Jésus et l'amener en Égypte, s'il dit, j'ai vu, et il dit pas, Dieu a dit, il va garder le bébé et on va tuer le bébé. Tu vois ton problème, hein? Écoutez, Dieu m'a parlé en songe. Dieu m'a parlé en vision. Un prophète m'a dit, Dieu m'a parlé par un prophète. J'ai écouté une prédication terrible. Non, Dieu m'a parlé par la prédication. Vous allez commencer à valoriser les révélations et vous serez transformés. Sinon, vous serez seulement là pour apprécier. C'était fort, c'était pas fort, c'était bien, c'était pas bien. Et puis ça fait quoi? Un conseil qui te change n'a pas besoin d'être fort. Il doit être le conseil dont tu as besoin. Tu as $1 million, on te donne. Et puis je viens avec un conseil. Ne dépense pas. Mets ça d'abord en banque, le temps que tu réfléchisses sur ce que tu vas faire. Et je le dis calmement. Frère, mets ça en banque, le temps que tu comprennes ce que tu vas faire. Tu as besoin que je vibre. Hein? Mets ça en banque, yes. Tu as besoin de tout ça? Tu as besoin de sentir? Pourquoi vous avez besoin toujours de sentir pour appliquer ce que Dieu vous dit? Dieu te dit, mon fils, arrête de dormir. Commence à te réveiller à 3h, 4h du matin pour chercher la compassion du matin. C'est tout. Tu as entendu? Tu vois, tu fais. Tu as besoin de quoi? Kakebeto. C'est ce que vous voyez des gens. Ils écoutent, ils changent pas. Le pasteur, lui, il change parce qu'il applique ce qu'il dit. Vous devenez un auditoire qui subit sa connaissance. Moi, tout ce que je vous prêche, je le fais. Tout ce que je vous prêche, je le fais. Le jour que je vous donnerai les témoignages de ce que Dieu fait dans ma vie, tu vas tomber ici. Et tu vas tomber, par exemple, au couéi, par exemple, Betty Libakou, par exemple, mon néné. Je vous assure la vérité. Hein? Sion, des fois, il est avec moi. Il connaît un tout petit peu une partie de ma vie, une toute petite. Même ce que tu connais là, Sion, tu ne connais pas. Hein? C'est des miettes de ce que tu connais de moi. Mais un jeune garçon commençait le ministère à zéro avec trois personnes.
Mais ce que Dieu est en train de faire, rien qu'avec ce que je vous dis, ce que je vous dis, où je peux prier, je veux dire ces choses, il faut qu'ils viennent. C'est comme une maman, elle a préparé une bonne nourriture, elle aimerait que ses enfants viennent. Alors qu'est-ce que maman fait souvent quand c'est trop bon? Vous quittez, vous arrivez à la maison, vous sentez seulement l'odeur. Maman, ah c'est bon, vous allez à table. Non, j'ai prié que l'odeur de la parole que vous allez entendre déjà se répande. Et puis du coup tu dis, j'irai à l'église. Tu seras la soirée de gloire, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Toi, tu penses que tu es venu bivena vena. Alors qu'il y a quelqu'un qui randa gazagaba, shana rababa. Je vous dis, mes frères, ne faites pas des blagues dans la vie chrétienne. Soyez sérieux. Vous allez vivre Dieu. Vivre Dieu. Tu vis Dieu. Donc tu regardes la vie de David et la tienne. Et au Kokana. Mais il y a un peu de Congolais. Ah non. Gloire à Jésus. Une autre chose. Tite 3, verset 5 à 7. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Dites Saint-Esprit. Ayez l'habitude, chaque matin, de demander la plénitude du Saint-Esprit. Ne commence jamais une journée sans être rempli du Saint-Esprit. C'est comme une voiture qui sort sans se rassurer que les pneus sont remplis. Tu peux avoir une très belle voiture, avec un bon moteur, mais si les pneus ne sont pas remplis, ça va faire quoi? Ça va rouler lentement. Et quand tu n'es pas rempli de l'esprit, tu ne vivras pas tes vraies journées. Tu ne seras pas renouvelé. Tu vas manifester la colère envers les gens, des mauvaises réponses, parce que tu n'es pas seulement rempli du Saint-Esprit. Mais si tu es rempli de l'esprit, les épines, tu vas marcher dessus. La plénitude de l'esprit te permet de vivre la vitesse dans une journée, de supporter les ronces et les épines, les caractères mauvais des gens, et de vivre dans la joie une journée qui devait te rendre triste. Mais ne te rends pas triste, pourquoi? Tu es déjà rempli de l'esprit. Demandez la plénitude de l'esprit. Parlez au Saint-Esprit le matin. Dites-lui de vivre la journée avec vous. Saint-Esprit, je ne peux vivre cette journée sans toi. Viens marcher avec moi. Viens me remplir. Viens me diriger. Viens me contrôler. Donne-moi la nature de Jésus. Parle-moi de Jésus. Parle-moi du Père. Explique-moi les Écritures. Parle à mon cœur. Et je t'assure, tu seras tout le temps renouvelé. Car le Saint-Esprit n'engendre jamais des vieux chrétiens. Il n'engendre que des nouveaux chrétiens, des hommes et des femmes assoiffés et désirés de Jésus. Septièmement, Actes 2, verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture. Différence. Quand on parle de rompre le pain, il s'agit de la Sainte Cène. Prendre leur nourriture, il s'agit de la nourriture normale. L'église primitive avait une habitude. Quand ils prenaient la nourriture normale, ils prenaient d'abord la Sainte Cène, ensuite ils prenaient la nourriture. Ils faisaient dans leur agapé, il y avait le temps de la Sainte Cène et le temps de manger la nourriture. Amen. C'est pourquoi il y avait des fois des problèmes. Certains n'attendaient pas les autres et voulaient déjà manger. C'est pourquoi Paul dit, si vous avez faim, mangez dans vos maisons. Voici un secret que je te donne. Mange la Sainte Cène tous les jours. Écoutez ceci. C'est parmi les plus grandes faiblesses
de l'église de réveil. Les chrétiens mangent rarement la Sainte-Cène. Quand vous lisez la parole dans Actes des Apôtres, c'est tous les jours qu'on mangeait la Sainte-Cène. Quelle est la dernière fois que tu as pris la Sainte-Cène? Qui a pris la Sainte-Cène, ça fait une année? Lève la main. Regardez, c'est grave. Qui ont pris la Sainte-Cène, ça fait 6 mois? Ça fait 3 mois? Ça fait 2 mois? Ça fait 1 mois? Qui ont pris la Sainte-Cène hier? Qui ont pris la Sainte-Cène aujourd'hui? Moi, tous les jours. Vous savez comment j'ai fait? J'ai réfléchi. Serait pas si béni. Mais on ne le mange pas beaucoup. Pourquoi on ne le mange pas beaucoup? Parce que dans nos églises, on a grandi. C'était rare. Il fallait un programme spécial à l'église. Il fallait un baptême ou le jour de la Pâque. Mais j'ai dit, mais c'est une bénédiction qui bénissait tous les jours l'église primitive. Mais l'église actuelle, c'est rare. Alors j'ai dit, est-ce que Dieu, lui, est content quand on le fait rarement? Non, il le veut souvent. Mais pourquoi les églises ne le font pas souvent? Parce que c'est un repas dangereux si vous le faites trop et ça devient une habitude. Certains peuvent commencer à tomber malades et devenir des infirmes, comme dans une église que vous connaissez, là où ils font chaque dimanche, sans révélation. Vous sentez, il n'y a même pas la crainte de Dieu, mais on donne aux gens. Et ils ont construit à côté aussi des endroits pour pleurer les gens. Et ils louent aux gens des catafalques. Vous connaissez, non? Alors voici ce que j'ai compris. Je peux prendre la Sainte-Cène de manière communautaire, comme de vendredi, le jour où tout le monde vient, nous prenons. Mais dans ma propre vie avec Dieu, je prends la Sainte-Cène, je romps le pain. Et dans mon bureau, j'ai acheté du jus de raisin, et bêlé. Et j'ai acheté des pains ou certains genres de biscuits qui se gardent longtemps. Quand j'ai fini de faire ma prière, Nazuango, Nazapeku tout temps, bah vert exalté. Oh bah vert, bah. On les a mis sur le calice. Les amolis m'ont coupé nakara. Oh bah mais l'organe est leur moins aboué. Et comment maman? Donnez-moi la main. Et comment maman? Que bah mais l'organe est leur chaboué. Nando salangope. Mais l'état n'a qu'une na cuisine à zonga tant. Parce que c'est un repas combattu. Je t'assure. Alors j'ai mon jus de raisin et j'ai ces biscuits là. Quand j'ai fini, Katiango na meli na tondi nzambe. Et puis j'ai dit, je suis le produit de la grâce. Quelqu'un est mort pour que je vive. Et j'ai renouvelé mon alliance avec Jésus le matin. C'est comme si chaque matin tu dis à ta femme, je t'épouse. Au sentir d'amour à bon. Maintenant, chaque matin, je dis à Jésus, je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité, tu reviens bientôt. Merci d'avoir versé ton sang pour moi. Merci d'avoir brisé ton corps pour moi. Je suis sauvé par grâce. Amen. Et puis je ferme mon bureau, je sors. Yossi mama. Au sang. Ndokinyo soza ozobun sanga. Est-ce que Yossi ma? Yossi matin? Parce que j'ai fait une alliance déjà avec quelqu'un dès le matin, j'ai renouvelé. L'église primitive, tous les jours, ils étaient conscients qu'il est mort et il revient bientôt. Il est mort, il revient bientôt. Pourquoi? La Sainte-Cène révèle la mort de Jésus, mais aussi annonce sa venue. Maintenant, est-ce que tu peux prendre la Sainte-Cène tous les jours si tu as une vie de péché? Je m'opensa. Raisin à un mois talo. Nali po bete en karaté le te te non mon na sala il lobby ça te permettra de juger ton niveau de consécration personnelle. Quand lundi j'ai pris, mardi tout je prie moi-même avec Dieu sans qu'il y ait un programme de l'église. Tu sais que ces derniers temps moi et Dieu tout va bien, mais quand un lundi tu veux prendre, tu as peur, tu sais. Ça m'aide à garder le niveau de consécration. Frère, je vous dis des choses
que les pasteurs souvent ne prêchent pas. Vous savez ça? Ah oui, ils gardent ça pour eux, pour eux-mêmes. Mais moi, je veux que vous soyez forts, puissants, bénis. Pourquoi? Quand l'écart devient trop grand entre les leaders et le peuple, Boba on a simbiki ici, oh ba pasteur ba bonga kabiso kakato bonga kate ndeko. Nga me la sen sen tongo nyoso. Yo pe bando sa lango. Sko, kindumba si foti gata hein. Okoliango na kindumba si oko kufa na ndako melika be. Depuis que nagi ba yo lukota. Oko mikoka. Je peux appliquer ça en trompant ma femme. Je peux appliquer ça en volant l'argent de l'église. Je peux appliquer ça, je suis féticheur. Ça m'aide à vivre comme Jésus tous les jours de ma vie. Pour terminer, et là j'aimerais que tu me changes de musique, mon frère. Car la gloire de Dieu veut tomber ici. Ça, c'est un verset que j'aime. Et il est rare dans la Bible. Il n'y a pas beaucoup de versets comme celui-ci. Psaume 92, verset 10, dans d'autres versions, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Tu me donnes la force du buffle et je suis arrosé d'une huile fraîche. David dit que Dieu lui donnait la force du buffle, qui est un animal fort parmi les animaux les plus forts, parce qu'il était arrosé d'une huile fraîche. Dites fraîche onction. Il y a l'onction, mais aussi la fraîche onction. Il ne faut pas avoir l'onction, il faut avoir la fraîche onction. C'est la fraîche onction qui donne la force du buffle. La fraîche onction, c'est quoi? C'est une onction renouvelé au sommet de la montagne de la consécration. Parce que la fraîche onction est comparée à la rosée de l'Hermon qui descendait sur les montagnes. Vous savez, si tu vas sur une haute montagne, même en Afrique, tu peux trouver comme de la neige. Et quand tu as une vie de consécration, tu auras une fraîche onction qui sera sur toi et qui te donnera la force du buffle pour affronter tes défis. Chaque matin quand tu pries, il y a aussi quelque chose que tu ne vois pas souvent, la fraîche onction. N'est-ce pas le matin quand vous vous réveillez, il y a la rosée sur les fleurs et sur la pelouse, même si on n'a pas arrosé, c'est ça, la rosée, la fraîche onction. La Bible nous dit que même quand Dieu avait créé le ciel et la terre était arrosée par une rosée avant qu'il y ait la pluie. Dieu, dans ta vie, a mis à ta disposition une onction fraîche pour te donner la force. Mais tu dois la désirer. Tu ne dois pas servir Dieu avec une ancienne onction. Ça abîme le moteur spirituel. Même nos voitures, même si tu as de l'huile, après tu vas changer l'huile, tu fais le vidange et tu mets une nouvelle huile. Pareil aussi avec l'onction. N'ayez pas une onction d'hier, ayez l'onction d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour son onction. Et elle est toujours disponible comme les compassions de Dieu. La force du buffle vient de la fraîcheur. La fraîcheur donne la force du buffle. Et vous connaissez ce verset qui dit que l'onction brise le joug. Dans sa vraie interprétation, c'est la graisse qui brise le joug. La graisse, c'est l'accumulation de l'huile. Quand il y a l'huile, une couche sur une couche et sur une couche, ça fait la graisse qui brise. Et quand tu as l'habitude de rechercher la fraîche onction chaque matin, tu atteins le niveau de la graisse qui brise les jougs. C'est-à-dire un niveau spirituel où tu libères les captifs parce que tous les jours, tu reçois couche après couche d'une fraîche onction. Lundi, une fraîche onction. Mardi, fraîche onction. Janvier,
fraîche onction. Jusqu'en décembre, une fraîche onction. Et puis tu atteins le niveau où ta famille commence à être libérée. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar l'a libéré de la pauvreté. Fraîche onction. C'est quand on voit une nation commence à être bénie par la présence de l'Église. Car la bénédiction de la nation n'est que le débordement de Dieu. Dieu est trop dans l'Église, il sort, il bénit la nation. Et ce soir, Dieu veut te communiquer une fraîche onction.